webdistrip.com, votre spécialiste électro, techno, ménager. Webdistrip.com, le e-commerce au coin de votre rue. Nous sommes ravis puisque Nicolas Vérulse a sorti le grand jeu aujourd'hui pour vous faire plaisir à l'extérieur, puisque enfin on va pouvoir mettre le nez dehors, il fait bon. C'est pas encore terrible au niveau de la saison. C'est la saison. Voilà. Merci Nico. Merci Nico. Déjà cassé le matériel. Voilà. C'est un satellite. Bon alors, on parle d'un barbecue aujourd'hui. On va parler barbecue, on va parler extérieur aujourd'hui. Ouais. Je vous ai ramené plein de choses superbes sur du barbecue à charbon. Alors vous allez me dire barbecue, charbon, charbon de bois. Ah, charbon de bois, c'est pénible, c'est dur, c'est l'entretien, faut que je... Eh bien là, pas du tout. Parce que le barbecue, c'est quand même le charbon de bois. C'est le charbon de bois. Oui, mais il a raison, c'est un peu pénible. Mais c'est parfois pénible. Ouais, donc, comme vous n'avez pas voulu que je mette le feu à mon barbecue, j'ai remplacé les braises et les cendres par du polystyrène. C'est bien fait. J'ai du polystyrène. Vous ne l'auriez pas dit, on n'aurait pas cru. Ce système de barbecue, très très simple. J'ai une petite tirette, je l'ouvre. Donc du coup, j'ai les cendres qui tombent. D'accord. Hop. Et juste en dessous, j'ai un réceptacle que j'enlève et je récupère directement mes cendres que je n'ai plus qu'à jeter. Mais c'est pas mal. Je me salis pas. C'est parce que c'est tout neuf encore, parce qu'après c'est tout chaud. Mais ça revient au même. Mais non, si c'est chaud. Non, mais c'est très bien. Pas. Nicolas, c'est juste pour vous embêter. On peut dire quand même que c'est du barbecue de compète, votre truc. C'est du barbecue de compète. Oui, c'est un traitement de barbecue. L'avantage, c'est que à sa forme, quand il est fermé, c'est une boule avec un système d'aération qui nous permet d'éviter les flammes. Donc vos aliments ne sont pas du tout mis en contact avec les flammes. Et vous savez, j'ai un thermomètre. Non. Ah oui, un thermomètre pour voir la température. Si vous voulez cuire, vous cuisez, vous faites de la cuisson directe ou de la cuisson indirecte si vous voulez cuire des pommes de terre, etc. Combien ça coûte, ça? Ça vaut, celui-là vaut 100, dans les 100, 160 euros, ce modèle-là. D'accord, 160 Moi, ce qui me plaît avec celui-là, c'est que vous avez des accessoires qui vont avec, qui sont plutôt très sympas. On a parlé de la cuisson au charbon. Alors, je vous ai ramené en effet deux petits accessoires très sympathiques. Ça, c'est top. Là, c'est une plancha. Donc, je la pose simplement sur ma grille. Et là, je vais cuire de façon naturelle au charbon de bois. À la plancha. Donc là, je récupère. Le mettez de côté saveurs. Si ça vous dérange pas. Je vous le mets de côté. Alors, mais Laurent est plutôt pizza. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Justement, je connais vos goûts. Tout dévoilé. Maintenant, je connais vos goûts. Ouais. Et là, j'ai ma pierre à pizza. Même principe. La pierre à pizza. Je vais mettre ma pierre à pizza sur ma grille. C'est une vraie pierre. Ah ouais. Et là, j'ai mon petit réceptacle pour mettre ma pizza. Je la mets, je ferme mon couvercle. Bravo. Et là, j'ai une vraie, vraie cuisson. On était à 160, là, on est à combien maintenant avec l'ensemble? On a 40 euros pour la plaque à pizza et on a une trentaine d'euros pour la plancha. C'est quoi cette petite chose là? Alors, c'est l'autre inconvénient. C'est l'autre inconvénient du barbecue, c'est l'allumage. Ah ouais, ça. Alors là, je l'ai laissé parce qu'il est livré avec le système d'allumage et le charbon de bois. Le principe est simple, je mets mon charbon de bois dans ma petite cheminée, j'allume. 10 minutes après, c'est chaud et je le verse directement dans mon barbecue. Alors je ne me brûle pas. Vous préchauffez en quelque sorte. J'allume les braises. Ah oui, j'allume et je verse dans mon barbecue. Là-dedans, il y a toute la capacité pour ce barbecue-là. Ouais. Et c'est parti. Et j'ai pas besoin de sèche-cheveux, j'ai pas besoin de ramasse-poussière pour allumer. J'ai pas besoin Ça marche tout seul, ça marche 10 bien. Minutes. 10 minutes. J'adore. C'est comme maison, une cheminée, c'est plein de trous. Ah d'accord. Combien ça? La cheminée, une petite cinquantaine d'euros. Et puis ça, c'est quoi? Tout est vendu à Évidemment. Bah oui, d'accord. Évidemment. Alors, fais attention, regardez. Ça c'est pour moi, c'est le produit. C'est quoi donc? Le must-have à avoir en cette saison. Le must-have. Exactement, exactement. Sur votre balcon, ce sera parfait, Nico. C'est une cheminée d'extérieur. Je vais mettre mes bûches, je vais allumer, je remets mon couvercle. Ah, c'est un bras zéro. C'est un bras zéro. Ah, très bien. Combien? Une petite centaine d'euros. Je pose la question, c'est important. Celui-là, il fait 200 euros ce modèle-là. D'accord. Par contre, j'ai une garantie de chaleur exceptionnelle. Je suis vraiment très très bien. Là, c'est faut déjà un grand balcon. Il part sur ma terrasse. Parce que si vous mettez là, vous brûlez direct. Parce qu'il a un grand jardin. Non, il est sur ma terrasse. Non, j'ai un petit jardinier. Merci beaucoup, mon cher Nicolas, pour ces quelques découvertes. Je garde ça, moi. Oui, c'est ça. Attention. Webdistrip.com, votre spécialiste électro, techno, ménager. Webdistrip.com, le e-commerce au coin de votre rue.